Oui, aussi appelée circonscription d'Avranches-Granville, 95 000 inscrits, mais 45% d'abstentionnistes dimanche dernier. Et à l'arrivée, le candidat de La République En Marche, le maire de Saint-Père-sur-Mer, Bertrand Sort, qui vire en tête avec 44,9% des suffrages. Bonjour à vous, Bertrand Sort. Bonjour. Et en deuxième position, mais distancé, le député sortant Guénaël Huet, qui brigue un troisième mandat. Bonjour. Bonjour. Vous avez rassemblé 27,3% des voix dimanche dernier. Alors avant d'évoquer vos positions sur les thématiques de la sécurité et de l'éducation, revenons sur cette fin de campagne. Quel message tentez-vous de faire passer aux électeurs, Guénaël Huet, pour les convaincre de se tourner vers vous ? D'abord, un message aux abstentionnistes qui ont été très nombreux. Chacun a pu le constater. Et la principale chose, le principal message, c'est de dire à celles et ceux qui sont très souvent d'ailleurs dans le Sud-Manche des électeurs de la droite républicaine et du centre, de voter dimanche prochain. Parce que ce premier tour n'a pas une signification suffisante. On a bien vu le mouvement qui s'est fait partout en France. L'élection du premier tour n'a pas porté sur des personnes ou sur des projets, mais simplement sur une étiquette. Et puis le deuxième message, c'est que dans une démocratie, il n'est pas bon qu'un mouvement ou qu'un clan ait tous les pouvoirs, parce que la démocratie est confisquée. Donc il est important qu'il y ait au contraire un équilibre, qu'il y ait une majorité, certes, mais qu'il y ait aussi à l'Assemblée nationale une opposition suffisamment nombreuse de façon à ce qu'il y ait un véritable débat démocratique. Bertrand Sort, il s'entend cet argument de dire qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que des élus La République En Marche à l'Assemblée dans quelques jours. Or, il peut s'entendre, effectivement. Pour autant, on a bien vu le vote des Français lors de l'élection présidentielle et lors de ce premier tour des élections législatives. Il y a une vraie volonté de changement, de renouvellement de la classe politique, de ces hommes et ces femmes, pour certains, des professionnels de la politique, comme on les qualifie. Aujourd'hui, ce que souhaitent les Français, c'est un vrai renouvellement, un vrai changement, à la fois dans les hommes, mais aussi dans les méthodes. Mais pourquoi un député de plus de la majorité, alors qu'elle sera déjà conséquente, cette majorité ? Et pourquoi un député de moins dans la majorité ? Je crois que notre Sud-Manche, effectivement, tirera un bien meilleur profit d'un député qui soit dans la majorité présidentielle, et non pas d'un député qui soit dans une opposition stérile, qui finalement crée de l'immobilisme, et c'est encore une fois ce que les Français ne veulent plus aujourd'hui. Guénaël Huet ? Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je n'ai jamais été dans une situation d'opposition stérile, et très franchement, voilà un discours qui est un peu inquiétant que celui que j'entends. Il faudrait qu'il n'y ait plus qu'un seul bloc, que tout le monde se taise, ce serait circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus besoin d'opposition d'après ce que j'entends. Eh bien si, il y a besoin d'une opposition, et je donne un exemple, moi entre 2012 et 2017 j'étais dans l'opposition, ça ne m'a pas empêché de régler un certain nombre de problèmes avec des ministres qui n'étaient pas de mon bord politique. Un seul exemple, celui du dossier des barrages de la Cellune, je l'ai réglé en grande partie avec Madame Ségolène Royal, et j'étais pourtant député de l'opposition. Lors du dernier quinquennat. Bertrand Sort, un dernier mot sur ce sujet ? Oui, bien sûr, évidemment, j'entends aujourd'hui les Républicains qui nous disent qu'ils auront une opposition tout à fait constructive, et j'ai même l'impression parfois d'avoir des candidats de La République En Marche à côté de moi. Non, aujourd'hui, je n'irai jamais jusque-là. Notre président, bien évidemment, a un programme, un contrat avec la nation qu'il souhaite mettre en place, et bien évidemment, vous savez comme moi que quand on parle de majorité, on peut aussi parler du Sénat, on peut aussi parler de nos départements, de nos régions qui aujourd'hui ne sont pas à leur tête avec des élus de La République En Marche. Juste un dernier mot avant de passer à la sécurité, mais cette campagne s'achève et on a beaucoup parlé de renouvellement, peu finalement des programmes. C'est lié à quoi finalement ? Vous n'avez pas réussi à finalement, Guénaël Huet, à faire passer vos idées. Le renouvellement qui est mis en avant par les candidats de La République En Marche a pris le devant. Mais d'abord, le renouvellement n'est pas un programme. Un programme, ce sont des propositions, ce sont des idées forces, ce sont des sujets que l'on aborde le plus clairement possible. Et puis, quand on parle de renouvellement, enfin, de quoi parle-t-on ? Est-ce que M. Sort, qui est élu depuis une quinzaine d'années, qui est maire de sa commune, qui est enseignant, fonctionnaire, incarne en quoi que ce soit le renouvellement, en rien. Ce n'est pas, quoi, ce n'est pas Huet, du tout l'image. Depuis 30 ce n'est pas ans, du tout l'image. Une mais non, mais Monsieur Sort, c'est vous qui parlez de renouvellement.
C'est vous qui parlez de renouvellement. Je pense moi, que je nos parle, profils, monsieur, moi, je sont parle, totalement différents. Moi, totalement différents, et nos psychologies aussi. Moi, je ne parle pas de renouvellement, c'est pas un mot magique. Moi, je parle de confiance, peut-être je parle de fidélité. Peut-être peut-on aller sur le programme proposé je par parle, monsieur Huette, je parle de confiance. Je parle de confiance, je parle de fidélité, et je parle d'expérience. Vous parlez de renouvellement. Pouvez-vous nous dire, monsieur Huette, si votre parlez, programme est le programme de vous, monsieur Fillon vous parlez, lors de l'élection présidentielle, vous parlez, parce qu'aujourd'hui, c'est vous un vous flou parlez, complet. Vous parlez de renouvellement, alors que vous n'incarnez en rien le renouvellement. Et quant au programme, moi, je ne parle pas dans de personne, vos plaquettes, je parle de programme, dans vos plaquettes il n'y a aucun élément de programme. Aucun alors, élément. On va passer au programme, justement. Vous on n'avez va, jamais présenté votre programme. On va passer au premier point qu'on voulait développer ce matin, la sécurité, les propositions des candidats sur ce sujet. C'est devenu une priorité pour les Français depuis quelques années maintenant, avec deux points principaux, la lutte contre le terrorisme et puis la délinquance hein, au quotidien dont les Français souffrent aussi. Sur ce sujet, Bertrand Sorre, La République En Marche, quels sont les points forts de votre programme? Alors bien évidemment, un État qui protège. Hein. Une des missions premières et une des premières libertés, c'est la sécurité de nos concitoyens. Et comment on fait alors? Alors comment on fait? On a actuellement en place un état d'urgence hein, qui est effectivement mis depuis plus d'une année par le président Hollande lors de son quinquennat. On poursuit cet état d'urgence, bien sûr, la proposition qui va être faite, c'est de le prolonger. De le prolonger pourquoi? Parce qu'on a besoin de mettre en place un arsenal juridique qui aujourd'hui n'est pas suffisamment précis pour donner une réactivité nécessaire dans le cadre de cet état d'urgence. Après, par définition, l'état d'urgence, c'est bien un état d'exception qui n'a pas vocation à s'étendre dans le temps. Donc la proposition qui va être faite, c'est de prolonger cet état d'urgence jusqu'au 1er novembre. Et entre-temps, de pouvoir promulguer une loi qui renforce cet arsenal judiciaire, un arsenal qui permettra par exemple... Avec des mesures très concrètes. Laissez-moi vous terminer. Ouais. Qui permettra par exemple, une mesure très très concrète, de fermer un lieu de culte immédiatement lorsqu'on y prononce des appels à la haine ou à la violence. Sur le sujet de la sécurité, le candidat Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a souvent été attaqué sur le fait qu'il avait peu de propositions. Gaëlle Huette, aujourd'hui, vous estimez que c'est insuffisant ce que proposent les candidats de La République En Marche? D'abord, je voudrais dire une chose aux auditeurs qui ne peuvent pas voir. La grande différence entre mon concurrent et moi, c'est qu'il a devant lui la plaquette de M. Macron qu'il se contente de lire. Moi, je viens sans notes et je vais vous exposer ma manière de... Pouvez-vous nous dire, M. Huette, où est l'importance d'avoir des notes problème. Ou pas des notes? Ben si, parce que moi, j'ai mes idées à moi, ma personnalité. Vous vous répétez, vous lisez le bréviaire de voilà, M. Macron. Alors, ça, c'est une grande différence. Nous sommes repartis dans les critiques personnelles et aucune proposition non, de la part de M. Huette. On est toujours dans un débat récurrent. Je vais faire les propositions. Allez-y, M. Sorre peut se taire 5 secondes. Allez-y, M. Huette. Je vais faire les propositions. Qui vous différencie? Qui nous différencie? En ce qui concerne l'état d'urgence, d'abord c'est une nécessité, et moi j'ai voté à chaque fois la mise en place ou la reconduction de l'état d'urgence, parce que c'est le seul moyen juridique, c'est le seul outil juridique que l'on a pour lutter efficacement contre le terrorisme. Mais l'état d'urgence, c'est une loi qui date de 1955, alors qui a été un peu renouvelée depuis, un peu modifiée depuis, mais tout de même, l'essentiel date de 1955. On n'est plus en 1955. Et quand on parle de renouvellement, il faut refaire quelque chose de tout à fait neuf. Or, le projet de M. Macron, c'est de toiletter simplement la loi donc de 1955. Quelle est la proposition de M. Huette? Parce mais, que j'attends toujours. Mais si vous aviez un tout petit peu de patience, vous le sauriez. Un tout petit peu de patience. Allons-y. Donc, il ne suffit pas de toiletter la loi de 1955, il faut la modifier complètement. Avec une réserve tout de même, c'est que dans le texte qui est proposé par M. Macron, il y a quasiment une absence de contrôle du juge judiciaire. Et là, ça pose une vraie difficulté. Mais des mesures très concrètes, publiques. Monsieur Huette. J'y viens, Monsieur Martin, mais enfin, permettez-moi quand même d'expliquer un peu les choses avant les mesures concrètes. Alors, les mesures concrètes, elles sont simples. D'abord, on remet en place une vraie politique de renseignement qui a été oubliée depuis quelques années. Ensuite, on durcit la législation sur l'assignation à résidence. Elle est possible, mais elle n'est que peu pratiquée et pose un certain nombre de problèmes juridiques. Il faut enlever tous les obstacles à l'assignation à résidence. Oui, et puis, dernière étape... dernière étape, oui, parce que vous venez de le lire à l'instant, là. Et dernière étape, lorsqu'on a suffisamment d'éléments contre quelqu'un qui peut commettre un acte terroriste, on l'expulse du territoire français. Il faut que ce soit inscrit dans la loi, c'est l'expulsion automatique pour toutes celles et tous ceux
qui sont susceptibles de commettre un acte terroriste sur le territoire français. Sur cette proposition, Monsieur Sor, vous êtes en accord sur l'expulsion des terroristes du territoire français ? Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui. Donc il n'y a pas de différence finalement entre. Ce que je viens d'entendre de la part de Monsieur Huette, non, je suis content de l'entendre parce que c'est la première fois que je l'entends. Aujourd'hui, la difficulté de Monsieur Huette, c'est la première fois que je vous entends aussi, et sur le terrorisme, et sur la sécurité, et sur tous les sujets. Mais vous n'avez aucun programme, Monsieur Sor. Vous permettez, Monsieur Martin, mais Monsieur Sor me met systématiquement en cause. Je veux rappeler à nos auditeurs que moi, j'ai produit des plaquettes signées de mon nom et du nom de Madame Brunorine. Ce sont mes propositions à moi. Expliquez-nous Monsieur Sor n'a produit aucun papier personnel. Dans les papiers qu'il a produits, il n'y a absolument aucune proposition concrète. Alors, candidat de M. Fillon, M. Huette, parce que moi, je ne sais absolument pas quelles sont vos propositions. En tout cas, vous êtes le candidat de M. Macron, à l'évidence. M. Huette, c'est quasiment un gourou pour vous. Quasiment un gourou, c'est grave. On va avancer. Monsieur Sor, vous êtes en retard au niveau de la prise de parole et on va aborder l'autre sujet de la sécurité. Donc, je disais, la délinquance des... proposition très concrète pour que le quotidien des Français, des Manchois, soit pacifié, si j'ose dire. Bien sûr. Alors, tout un tas de mesures, parce que M. Huette n'a sans doute pas pris le temps de regarder la brochure de M. Macron. Mais vous m'avez interrompu, je vous interromps maintenant. Continuez à lire. Bien, donc je lui rappelle quand même, parce qu'il n'a peut-être pas pris le temps de le faire, il n'a peut-être pas eu le temps. Le programme de M. Macron n'a pas changé, effectivement, depuis le 2 mars. Lisez. Donc on pouvait prendre le temps de s'imprégner, bien sûr, de ce programme-là, et peut-être d'en construire un, mais j'attends toujours ses propositions. Alors... Elles sont écrites et distribuées, Monsieur Sor. Les propositions très concrètes, c'est le recrutement, par exemple, de 10 000 policiers supplémentaires pour être plus présents sur le terrain. Voilà, c'est une proposition qui est là depuis le 2 mars. Ce n'est pas une nouvelle proposition qui sort d'un chapeau. Nous, ça fait des mois qu'on propose ça. Ou d'un programme écrit au coin d'une table. C'est la création de 15 000 places de prison supplémentaires. C'est aussi la possibilité d'une police de proximité, de la mise en place de mesures... de mesures très concrètes qui permettent d'intervenir sur des actes d'incivilité. Voilà. C'est une somme de propositions très clairement exprimées, je répète, depuis le 2 mars, et je n'entends rien venant du candidat adverse. Alors, M. Huette, en quelques secondes, les propositions, parce que vous avez encore un peu d'avance. Et puis, pour qu'on puisse aussi passer à l'éducation. Donc, en quelques secondes. Puisque M. Sor dit qu'il n'entend rien, il ne voit rien non plus. Ça fait des semaines et des semaines avant le 2 mars que j'ai publié un certain nombre de propositions. Il les a recopiés. Il s'est trompé sur un chiffre. Parce que moi aussi, c'est copie conforme. Ouais. 10 000 postes de policiers et de gendarmes, ça fait des mois que je l'ai écrit. Monsieur Sor vient de le rappeler. Il s'est trompé sur un chiffre parce que moi, j'ai parlé de 16 000 places de prison. Il a dû se tromper en recopiant. Lui, il parle de 15 000. Et troisième proposition, le rétablissement des peines planchers qui avaient été mises en place entre 2007 et 2012, et qui ont été supprimés par M. Hollande, Mme Taubira, et également M. Macron, qui faisait partie du gouvernement. Merci. On va dans un instant passer à notre deuxième thème, l'éducation. A tout de suite. Vous souhaitez passer un moment agréable en famille ? Les courses de chevaux vous passionnent ? Les hippodromes de Basse-Normandie vous proposent des journées riches en émotions. Jeux, spectacles, animations, enfants, restauration. Pour connaître les rendez-vous sur votre hippodrome le plus proche, lescoursehippiquebasse-normandie.com. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Chérie, aux portes ouvertes Triba, ils offrent la pause et la pause. La pause et la pause. La pause des fenêtres, portes et volets et la pause au soleil. Oh, Triba pause et nous on se repose. Et toujours 30% de crédit d'impôt. Du 8 au 17 juin, profitez de la pause Triba offerte et tentez de gagner 10 week-ends au soleil. Triba est là pour moi. Conditions et règlements sur triba.com. Les vacances, j'oublie tout. Tout, sauf de faire le point avec mon agent général d'assurance avant de partir. Dois-je prendre une assurance annulation ? Comment sont assurés les biens que je transporte ? Votre agent général d'assurance est là pour bien vous conseiller pour des vacances tranquilles. Agent général d'assurance, on assure mieux quand on connaît bien. France Bleu, spéciale élection législative. 8h23, retour au débat des candidats de la deuxième circonscription de la Manche depuis notre studio à Saint-Lô, avec vous Benoît Martin. En compagnie du député sortant Les Républicains Guénel Huette et du candidat à La République En Marche Bertrand Sor. Alors quelle priorité pour l'éducation ?
maîtriser les apprentissages, plus d'emplois, plus de professeurs auprès des élèves. Quelles sont les mesures que vous mettez en avant, Bertrand Sort, au sein de La République En Marche? Alors l'éducation est bien sûr un thème majeur du programme des Républicains, de La République En Marche, pardon. Hein, on finit par douter parce que comme M. Huette a finalement un programme qui est, C'est la première fois que M. Sort ne lit pas, donc il se trompe. Et je vous remercie, M. Huette. Est-ce qu'on peut débattre sereinement ou éviter les critiques personnelles? Sur les mesures. Donc les mêmes chances pour tous nos enfants, c'est effectivement l'ambition qui est portée par l'éducation. Et vous avez évoqué dans votre présentation le savoir lire, écrire, compter, ces compétences fondamentales hein, qu'un bon nombre de jeunes ne maîtrisent pas à l'entrée en sixième. Ces compétences, je le constate moi-même sur le terrain parce que je travaille au contact des jeunes. Et alors, pour qu'ils les maîtrisent, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on renforce la période dans laquelle on crée ces apprentissages, dans laquelle on peut mettre en place l'accompagnement nécessaire. C'est une proposition forte du programme d'Emmanuel Macron, c'est de dédoubler les effectifs en CP et CE1 dans les zones prioritaires notamment, pour permettre un meilleur apprentissage du savoir lire, écrire, compter. Concrètement, dans la Manche, par exemple, ça va... Dans la Manche, nous avons très peu de REP+, hein, effectivement. Donc ça va peu concerner les Manchois, finalement. C'est un premier départ, c'est-à-dire que ce dispositif, on peut imaginer le transposer à terme dans les classes de CP, CE1. C'est aussi, pour beaucoup plus d'équité et de justice, un accompagnement au devoir, après le temps scolaire, un accompagnement qui serait porté par les enseignants volontaires ou par des étudiants. C'est là aussi une possibilité pour les étudiants. Et ça veut dire aussi plus de professeurs, alors si ça veut dire, si besoin, emplois, plus de professeurs. Ça veut dire aussi un meilleur redéploiement des moyens. C'est aussi important. Il faut effectivement fixer des priorités, et ça en est. C'est aussi le rétablissement des classes bilingues dans les collèges. On vit aujourd'hui à une époque de la mondialisation. Il est nécessaire que nos jeunes adolescents, devenus adultes, maîtrisent la langue anglaise. C'est tout un panel de mesures qui permettront là aussi de donner une meilleure capacité d'insertion professionnelle et personnelle pour nos jeunes. Et puis je termine sur la culture, parce que lorsqu'on parle d'éducation, c'est aussi la culture. C'est la mise en place d'un pass de 500 euros par jeune français de plus de 18 ans pour pouvoir avoir un accès là aussi plus juste et plus équitable à la culture. Et ça coûte combien ce pass ? Vous faites le calcul, non, monsieur. Non, c'est à vous de le faire, c'est votre proposition. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Non, mais bien sûr, on ne sait rien. Vous n'avez aucun programme, monsieur Huette. Mais si vous savez, êtes dans le dénigrement. Mais monsieur Sort, donnez-moi le chiffre. 500 euros, le pass culture, au niveau de la France entière, ça fait combien de dépenses publiques ? Alors, je vais plutôt vous dire comment il est financé, ce pass culture. C'est ennuyeux de répondre, là. Rapidement, parce qu'après, on va entendre les propositions. On va entendre les propositions, je suis curieux de les entendre. Rapidement, il nous reste peu de temps. Mais répondez, pourquoi vous ne répondez pas ? Effectivement, comment finance-t-on ce pass culture ? C'est difficile. Donc, il est financé par un tiers par l'État. Oui, il est financé par un tiers par les GAFA, hein, ce qu'on appelle les Google, les Apple, les Facebook. Ouais. Et il est financé par un tiers par la distribution, la FNAC, par exemple. Alors, vos propositions, Gaël Huette. Alors, d'abord, il faut rappeler que le rôle de l'école, c'est de transmettre les savoirs fondamentaux. On demande trop à l'école depuis un certain nombre d'années en France. Il faut recentrer l'école sur son activité fondamentale, qui est de transmettre le savoir. On sait que les premières années sont très importantes et la proposition, c'est de mettre en priorité, de mettre l'accent sur l'école maternelle et sur l'école élémentaire. C'est là que tout se joue, c'est là que tout retard pris par un élève ne se rattrapera jamais ensuite. Et comment on met cette priorité sur ces classes-là ? Bon. Il y a dans notre système éducatif. C'est là que c'est difficile d'expliquer. Plaît, c'est là que c'est difficile parce que comme on n'a pas de proposition, on arrive au terme. Donc il y a dans notre système éducatif des chiffres qui sont tout donc à fait. Donc on part sur des grandes généralités. S'il vous plaît, Monsieur Sort. Il y a dans notre système éducatif des chiffres que sans doute Monsieur Sort ne connaît pas, qui montrent qu'il y a un taux d'encadrement des professeurs par les élèves qui est inférieur en France en école maternelle et en école élémentaire par rapport à nos voisins européens. Donc il faut renforcer l'encadrement, mettre plus de moyens sur l'école maternelle. Mais vous supprimiez 500 000 fonctionnaires, monsieur Huette, dans le programme de monsieur Fillon. Mais moi, je n'ai jamais supprimé 500 000 fonctionnaires, monsieur. Vous n'êtes pas le candidat. Je n'ai jamais, non, pas du tout. Je n'ai jamais proposé de supprimer 500 000 fonctionnaires. C'était vos propositions au moment des présidentielles. En ce qui concerne la parole, en ce qui concerne mes propositions sur l'éducation, n'en déplaise à Monsieur Sort, voilà, une première proposition, on met en place des moyens supplémentaires pour l'école maternelle et pour l'école élémentaire. Et une proposition très concrète, je n'en ai entendu aucune jusqu'à maintenant de la part de Monsieur Sort, l'âge de l'enseignement obligatoire est de 6 ans, je propose de le passer à 5 ans. Et puis, il y a autre chose. Dernière chose sur le sujet, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Dernière chose sur le sujet, c'est le développement absolument nécessaire de l'apprentissage et de la formation par alternance qui ont été mises à mal toutes les deux
par les socialistes et par M. Macron. Donc on redonne de l'importance à la formation par alternance et à l'apprentissage, parce que la formation par alternance et l'apprentissage sont de très bonnes voies pour accéder à l'emploi. Merci. Sur l'apprentissage, en un mot ? Bien sûr, c'est une proposition forte d'Emmanuel Macron d'accompagner l'apprentissage et de permettre... Vous avez oublié de la lire. ...par cette voie d'excellence d'accéder Vous avez pourtant la feuille sous les yeux, vous avez oublié de lire Merci, messieurs. Dommage. Merci Bertrand Sœur, merci Gaëlle Huet. On arrive au terme de ce débat. Le dernier de l'entre-deux-tours de ces élections législatives. Je le précise, vous retrouvez ce débat sur notre site internet dans la journée, francebleu.fr. Et puis dimanche soir, n'oubliez pas, vous pouvez suivre les résultats lors de la soirée électorale de France Bleu Cotentin. Sur notre antenne.